Coucou, aujourd'hui on était un nouveau jour. C'était un jour où j'ai très peu dormi. Parce qu'il y a eu une grosse tempête cette nuit. Et je suis un peu inquiète pour la maison. Franchement, le vent était tellement fort, j'ai cru que la maison elle allait tomber. J'étais super inquiète. Oh, bah super, des morceaux de maison qui tombent. J'étais super inquiète. Ai, tô ligando meu fogo. Tchau. Achei que não tá cheio, que eu tô cozinhando. Claro que eu já liguei, né? Aqui, ó. Pra lá. Pra lá. Agora perto do teuzinho pra baixo. Não, pra lá. Até lá, deixa eu falar. Perto do teuzinho, depois pra baixo. Esse, pra baixo, assim. Que chique! Era só isso, só isso. Era a gente travar, né? Vamos fazer um vídeo. Je suis vraiment très fatiguée. Tu vas avoir mes règles en fait, c'est le jour où je suis défoncée. Je pense que c'est le jour où je vais ouvrir mon... Ça, on va le faire ensemble, je vais faire pipi avant. Pourquoi vous sonnez? Ah oui, ça va la petite nouvelle tante Sonia. Ça va ma poulette? En plus, tu me vois, je suis déjà en train de marronner. Pourquoi vous sonnez? Alors, ça, ça, et l'autre, ça. Tu vois, quand je dis que tout est compliqué au Brésil, la prise qu'ils m'ont donnée, elle rentre pas dans les prises. Elle rentre pas dans la prise murale, elle est trop large et elle rentre pas là non plus.
j'allume le truc, il y a de l'eau qui est sortie. Bon, on va commencer par aspirer pour voir ce que ça donne. Bon, maintenant je vais voir si ça a vraiment bien aspiré. C'est le test. Je pense que c'est pas un aspirateur pratique. Dans la vie, c'est vraiment un aspirateur de... Comment ça s'appelle ? D'eau, en fait, de... pour nettoyer. Ah oui, il y avait déjà beaucoup de poussière, en fait. Bah, c'est très bien. Je vais attendre un peu, je vais aspirer un peu toute ma maison, là. Et après, je vais laver les tapis. C'est un peu dur, dur pour moi aujourd'hui, je t'ai dit. Je vais avoir mes règles, je pense que je vais le faire demain. Je suis extrêmement fatiguée. Extrêmement fatiguée. Je me sens très molle. J'arrive à rien faire. Vai, Jó, tira aí. Eu vou esquecer. Com o meu pé sujo. Não, de repente ela montou errada. Não. Ah, não, que o negócio fica, fica. C'est marrant, les électriciens sont venus aujourd'hui, ils m'ont réglé plein de trucs, c'est trop bien. La prochaine fois qu'ils reviennent, c'est lundi. Aujourd'hui, on est jeudi. En fait, dans la semaine, ils sont venus qu'une fois. Mais tu sais quoi, ils m'ont installé mes trucs, donc je vais pas marronner. Je suis très heureuse. J'ai des plaques. Monsieur Dubois, il va venir, il va retraiter tout mon sol à l'huile de Peroba. Ça se connaît. J'ai envie de tester maintenant que j'ai aspiré toute la maison. J'ai tout aspiré. J'ai tout aspiré cette pièce-là, tout, tous les recoins. J'ai tout aspiré ici, j'ai tout aspiré ici, j'ai tout aspiré là-bas. Enfin, j'ai tout aspiré partout. Que cette pièce là-bas, j'ai pas fait, j'ai la flemme. Et j'ai envie de tester le nettoyage. Je vais essayer de nettoyer ce meuble-là. T'as bon? Parce qu'en fait, ça, ça n'a jamais été nettoyé. C'est un truc d'antiquaire. Je suis sûre qu'en fait, il est différent. Quand il est propre. On voit ça? Bon, je sais pas trop comment ça marche encore, mais on va trouver. Alors, j'ai acheté le produit de la marque. Ils n'écrivent pas vraiment les quantités. Ils disent qu'il faut mettre 36 centilitres, je sais pas quoi. Mais... Bon, je peux pas savoir ce qui correspond. Ça va, ça. J'étais regarder des vidéos et j'ai découvert quoi? J'ai découvert que cet aspirateur il est merveilleux et en fait c'est bien ce que j'ai fait, sauf qu'en fait il faut mettre le produit et attendre un peu pour qu'il agisse et après nanana, et c'est normal que ça reste mouillé. Moi je croyais que ça séchait instantanément, mais je crois que j'ai déliré un peu en fait. Voilà, allez. Et je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau qui sortait du truc, parce qu'en fait j'ai pas mis beaucoup d'eau dans le truc. Et il y a marqué qu'il y a une... il disait dans le truc qu'il y a une capacité d'absorption. Ça t'intéresse ce que je raconte? Je crois que c'est pas intéressant. Moi ça m'intéresse, mais je crois que c'est pas intéressant. Du coup je vais finir sur ça. De 80% de l'eau ma gueule. Ça, ça fait plaisir. Non, 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 non.
je t'ai perdu. Oh, je suis au bord de la folie. Je suis trop heureuse, j'ai ma cuisine, les mecs. Je peux revenir à ma vie normale de cuisinière. Cuisinière en carton, mais cuisinière. J'ai très mal au ventre aujourd'hui. Je peux pas expliquer. J'ai très mal au ventre. Je sais pas pourquoi. J'ai pas mal des règles que je vais avoir. Mais j'ai mal à l'estomac. Très mal. Hier, j'ai mangé dehors. Pourtant, j'ai quasiment rien mangé. J'ai mangé un peu de purée. Peut-être qu'il y avait du lait dans la purée. C'est probable. Ou du beurre. Cette musique est magnifique. Na 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 C'est marrant parce qu'il y a les indications et dans les indications ils parlent de poulet poisson, ok, du bœuf, ok, des gâteaux, des pastèques, des pizzas, des lasagnes, mais ils parlent jamais de légumes. Et ça va être un bon test pour savoir si il repleut dans ma maison. Tu sais qu'il pleuvait dans ma maison. À un moment donné. La crampe, c'est que pour fermer ma fenêtre, tu sais, il faut que j'aille dehors. Ah non, oh la crampe. On va essayer. Super. Ah non, voilà. Il pleut ici. Il pleut dans la cuisine. Tempête, ma gueule. Allez. Comme je le prévoyais, il pleut dans plusieurs endroits de la maison. Il pleut aussi ici, putain. C'est toujours les mêmes endroits, en fait. Donc mes casseroles, finalement, elles ont une utilité. Voilà, je les ai reçues. Je les ai pas encore utilisées, mais elles servent à éponger la pluie. Et ça fait plaisir. En fait, la pluie est tellement forte qu'il pleut de tous les côtés de la maison. Et je l'avais déjà vécu, tu vois. Mais il pleut ici aussi. C'est un peu préoccupant parce que j'ai de l'eau qui coule de tous les côtés. Mais en fait, je sais d'où vient le problème. Il y a un truc tout le long de la maison là et tout le long des pièces sur ce truc là. C'est un peu la merde. Et là devant la maison, dans pas longtemps, je vais être inondée parce qu'en fait mon balcon commence à être inondé et l'eau commence à rentrer. Et ça n'a pas du tout l'air de vouloir s'arrêter. Je vais manger en attendant. Courez! Ouais, ça coule aussi ici. Quoi qu'il arrive dans la vie, les patates, au four, c'est toujours une belle option. Bon là, c'est un peu la merde parce que, alors chez moi, ça va mieux. Mais ma maison de Roussigny est totalement inondée.